Bon, 618 resets, dans tous les cas, c'est quand même beaucoup trop. Après, ça peut-être été patché avec le remake, mais sur Diamant DS, il y avait des situations un peu naze. Ah, ça existait sur Diamant de base? Ah, je savais même pas, gros. Je n'avais jamais fait. Alors, après, tu me diras, c'était mon premier Pokémon, j'avais jamais trop fait de trucs. Shiny et tout, je connaissais pas. Après, j'ai fait Earth Gold. Même chose, je m'en foutais les Shiny. Et j'ai terminé sur Épée Bouclier, où là j'en ai fait 5 ou 6, mais en méthode Basuda. J'avais jamais fait de reset avant ce Dialga. Je parle de ça, c'était il y a 4 ou 5 ans. Ah oui, ok, bah peut-être que ça a changé alors. En tout cas, là, ça a l'air très abordable comme il le fait, Exakil. C'est qui le grippin dans la game? C'est BJ69. D'ailleurs, quand on va rentrer dans la game, il va se déconnecter un moment, puis il va se reconnecter. Si c'est vraiment lui. Vas-y. Parle, dis les termes. Si c'est vraiment lui, j'offre un sub à Nordis. Ok. Ok. Ok, ok. Donc pour être sûr que c'est lui, il va falloir qu'il se déconnecte pendant la game. Ouais, c'est ça. On est d'accord, c'est aléatoire, t'en sais rien. Ouais, j'en sais vraiment rien. Alors, ajoute okay, un ami. Ajoute un ami. BJ69, tu peux déco-reco s'il te plaît, j'ai gagné un sub sur ma chaîne. Vas-y, hein, demande-lui. Hein. En vrai, mais s'il le fait, je le fais vraiment. Non mais frère, j'ai juste trop la flemme. Juste trop la flemme de te racketter 4€. Mec, t'as raison. Mais c'est, 100, c'est juste 100% lui, c'est juste que là, il a réglé sa connexion. Ouais, merde. Ah, tant pis. Hein. On verra pas alors, c'est ça. Oh, Zigzagan, si j'en fais moins de top 3, je fais 20 pompes. Ah, Zigzagan, je te laisse. En fait, j'ai du mal à comprendre. Moins que top 3, c'est leur top 1 et 2 ou moins, genre un moins bon top, auquel cas c'est 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je pense que c'est le deuxième. Je pense aussi, mais bon. 4, 5, 6, 7, 8, ok. Il fait quoi si je fais moins de 3? 20 pompes. 20 pompes? Mais non, mec, il pas... a trop confiance en ça. Ça vaut pas le coup de hint. Ouais, je vais pas hint, hein, dans tous les cas, je vais te trahir, non? Connais, hein, bah, moi, ça dépend, hein. Moi s'il me dit je fais 500 pompes ou j'offre un sub, bon, le hint est acceptable, tu vois. Oui, mais non, mais oui. Bien sûr, je fais un top 4. Donc là, regarde, on va essayer de jouer la game propre. Donc, j'ai ici un innovateur et un technochimiste, mais j'ai deux protecteurs, donc je joue la paire. Je joue la paire parce que c'est comme ça. On va essayer de faire une bonne game, essayer de se concentrer un peu, mais le truc c'est que j'ai essayé de faire une bonne game avant, et vraiment, ça s'est très vite transformé en pas de troisième mutant jusqu'au 7, quoi. On gagne Gorn Négatron. Là, honnêtement, je visualise un Jin, tu vois. Donc, on a combattant qui m'enferme dans une compo. Avec IE ou ce que j'ai, ça me donne pas envie de partir vraiment combattant. Ça pourrait, hein, mais j'ai pas envie. Cœur d'enchanteur, c'est fine. C'est même très bon dans beaucoup de situations. Et en plus, on gagne un Taric. Mais Ascension, ça reste Ascension. Ça reste fort. Je pense que ça peut être cœur d'enchanteur. Parce que ça va me permettre de découvrir où est la case. Allez, on va tenter le cœur d'enchanteur. Non, c'est peut-être la case. Et en plus, c'est une case Jean. Ok, 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 ok. T'as dit une dinguerie, mais je pense que tu t'es compris. Quoi? Non, cœur d'enchanteur. T'as dit une dinguerie, mais t'as dit de comprendre. Ça donne Taric. Du coup, j'ai vedette et enchanteur. Ah okay. T'inquiète, c'est pour ça que j'ai parlé de case alors que c'était enchanteur. T'es juste un génie, t'es juste un génie. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, mec, je suis juste dans le... Oh, y a MF. Attends, mais c'est quoi ce merdier? Là, il se passe beaucoup de choses, là. On se dit ça, actuellement? Le truc, c'est que là, s'il y a un Blitzcrank, on est un peu triste. Allez, on tente. C'est quoi le mutant de la game?
Ok. Votre équipe gagne l'Omnivore Félix. Le petit île de Tariq qui me met bien et Enchanteur 3 déjà aussitôt dans la partie, hein. C'est pas dégueu. C'est moins fort que Garde du Corps, je pense, mais. Faudrait vraiment que j'ai QSS. Donc ça peut être QSS, IE et Dernier Souffle ou Runan, un des deux. Ah oui, faudrait BJ déco. Ok. I know it's pretty strange, but BJ69, if you deco slash Rocco, hein, comment on pourrait dire, if you disco slash Rico, I gain 4 errors. Enfin, on va dire 2 errors. So if you have a great computer, do not hesitate. Sujet de merde, un peu. Je rêve d'une France où il décoroco. On voit pas le chat par contre, mais pas grave. Oui, non, t'inquiète, c'est voulu. Par contre, on est, la commu est très sad, on est d'accord là. Je viens de perdre ce fight. Je vois. Y'a pas un monde où y'a du mercenaire dans, dans ma vie là? Ce monde existe, non? Je pense que ce monde existe. On va tout casser. Tu as raison, Shiza. Tu as complètement raison. Si tu rentres Kate, t'as justicié. J'ai réussi à faire le swap au dernier moment, mais c'était clairement le meilleur choix que tu viens de dire. Ah, il a ascension mon adversaire. Est-ce que ça va lui permettre de gagner ce fight? J'en doute. Alors, soit je fais QSS, soit je prépare Dernier Souffle. Dans tous les cas, c'est gants qu'il me faut. Je serai peut-être first. Enfin, ça spaced Limon. Ah. Let's go. Jean Doute qui habite à Montreux. Oui, c'est possible. Il y a sûrement un mec qui s'appelle Jean Doute. Faudrait regarder sur Facebook. Monsieur Jean Doute. Ok. En fait, si je slam maintenant et que j'ai deux fois de la vitesse d'attaque, je préférerais lui mettre Runan Dernier Souffle. Du coup, j'attends. Je vais le mettre là pour protéger des assassins, lui. Ouais, c'est. Après, doute, il y a quand même de grandes chances, quoi. Il y a beaucoup de noms de famille qui veulent vraiment dire quelque chose, donc. Ça reste faisable. C'est vrai que ne pas avoir sniper, quand même, c'est un peu ça de la commu. La communauté est relativement triste de ne pas avoir sniper. Écoutez, là, on a sniper. La question étant, est-ce que je fais ça pour perdre 20% de dégâts mais éviter les blitzcrans? Combien il y en a? 1, 2, 3, 2, il y en a 2. Je crois que j'en ai déjà joué un, mais par save, vaut mieux faire ça.
Je pense qu'on fait ça, si on gagne on revend Eloy. Ah oui, on tombe sur le Blitzcrank. Je pense qu'on peut le gagner ce fight. Nickel, on tank l'ulti de Caitlyn avec un perso inutile. Aïe aïe aïe. Pas de bêtises hein. Pas de bêtises MF hein. Voilà, bien propre. Là on est bien bien propre, on va jouer safe quand même jusqu'au bout. On va pas int la partie pour juste le plaisir de int. Ça peut le faire, ça peut être une très belle game les amis. Si on a double vitesse d'attaque, on slam pour Jhin. Si on n'a pas double vitesse d'attaque, on voit. Si on a une seule vitesse d'attaque, on... Après, si on a qu'une seule vitesse d'attaque, on a plus de chances de retrouver un Négatron par la suite que... Qu'un gant, je pense. L'arme, ça m'intéresse fort peu. Après, si tu joues sniper... Les étoiles sont ouais. Je sais pas, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse pas beaucoup. Tu dis le gars, est-ce qu'il est shiny? Pas vraiment. Là, il y a mercenaire. Est-ce que mercenaire, on envisage ou vraiment on dit non à la police? Parce qu'à tout moment, je fais ça, hein. C'est relativement fine. C'est pas incroyable, mais c'est relativement ok. Vu qu'on a déjà croisé le Blitzcrank, on va se permettre. Y'a pas un mec qui jouait technochimiste? Si peut-être. C'est pas un peu tard pour mercenaire? Bah je vais juste pas faire une grosse lose, tu vois, c'est juste prendre quelques goals, pourquoi pas un item supplémentaire par chance, ça peut être ça, tu vois. C'est peut-être un peu tard, hein. Juste que j'aime bien. On va regarder de toute façon, ça se trouve c'était juste jamais ça. Ça se trouve c'était juste conserver la série de victoires et tout. Ok, 49 gold. On va continuer à attendre. Putain, t'aimes trop tricher un jeu par contre. Comment ça? Bah 3-2 c'est 6 hein. 3-2 c'est 6. T'es un tricheur hein. Allez, bah alors 3-2 C6, mais j'ai pas grand chose à faire rentrer. Tu préfères tricher alors? Ok, c'est fine. Bah j'ai pas triché, je suis 6, mais j'ai pas grand chose à faire rentrer quoi. Ah ouais, toi tu joues Blitzcrank toi, c'est ça? Moi bon, je viens juste de le faire rentrer en 3-2 C6. Ah ouais, bah t'aurais pu prévenir quoi. Mais je sais pas que je vais jouer contre toi, frérot. C'est good win, c'est good lose. C'est good lose, il me dit. T'avais Graves pour 3 qui te rentrait répétira sur GP. Bien vu BG. Putain, bien vu. Merde, les mécaniques, c'est trop fort en vrai. Le truc c'est que vedette 2. En fait, il y a un monde où je peux jouer Galio en fait en jouant Jhin, donc je préfère prendre les mécaniques. Oh, je viens de gagner 3 DPP mec. When a sunshine, mécanique, si tu veux jouer Jhin, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, l'autre est bien aussi, tu vois, full vedette, parce que ça donne du mana sur le frérito et tout, et puis même maintenant, ça peut servir. Mais c'est quand même mieux mécanique. Genre, je pense que ça s'entend de prendre. Ça s'entendait de prendre. Notre truc. Qu'est-ce que je vais faire de cette larme? Rédemption, techniquement? Donc, en fait, si j'ai deux ceintures, je sais très exactement quoi faire. Je sais faire rédemption et potentiellement. Trapclaw? Comment ça s'appelle? Griffe de la Banshee. C'est Trapclaw, Griffe de la Banshee? Ouais. Ouais, c'est le GP qui fait. Un gold.
Ah, j'aime Bucu, hein. Petite défaite, on va avoir quoi dans le coffre? On a déjà un composant, là on va avoir quoi? C'est illégal fuck si j'ai le droit. Fine. Fine les gars. Bon bah on a gagné un gant quoi. Bon, vu qu'il est là, on va le mettre sur le terrain, mais après ça veut pas forcément. Voilà, faut pas. Ah ouais, je vois. Ah, j'ai la ref, je suis gifted, c'est ça? Le truc, c'est que j'ai pas d'autres mercenaires pour remettre sur MF. Il est gifted, lui, c'est exactement ça, mec. Finalement, ce djinn au carrousel avec un gant, c'est vraiment... Exactement comme je l'avais prévu. Incroyable, ce son. Ouais, il est pas mal. Alors, le vrai truc, maintenant, c'est qu'il va falloir que je passe 7... Que je fasse rentrer un autre mercenaire quand même pour avoir mon cash-in, parce que sinon ça va être la tristesse. Que je mette le stuff sur lui. Et que je trouve un arc. Dans l'idée, c'est à peu près ça la totalité du gameplay. En tout cas, je lui mets IE et je lui laisse le gant. Le truc, c'est si je fais ça, est-ce que je fais Trapclaw et tout? C'est compliqué de choisir. On va garder l'Incom parce qu'après il y a les Licans, mais j'irai pas beaucoup plus loin en termes de game lose. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Ouais. Pour choper des 4 costs, c'est au 8 hein, le mieux, non? Ouais. Vu ma game, je peux y aller quoi. Bah c'est possible, hein, mais si tu veux des champions 4 costs, ouais, je pense que c'est le 8 le mieux. En plus, tu peux toucher tes 5 et tout, c'est pas mal. Pourquoi tu voudrais qui? Ouais, j'ai envie de tenter un Urgot 3, tu vois. Oh oui, c'est... Oui d'accord, toi t'as des grandes ambitions, quoi. Bah non. Hein. Imagine, t'es là, IE sur MF, alors que t'as Jin à côté. Bah, c'est Piposad, hein. C'est exactement Piposad, comme tu l'as dit. Bon. BG moyen chaud pour Décoroco visiblement. Ouais, il part en et peut-être il a pas le chat. Hein. Attends, vous savez que je vois un monde où je suis capable de perdre ce fight là? Non, c'est bon. T'es au méga large. Oui, non, je suis au méga large, mais juste il y avait un monde où j'étais en train de flipper quoi. Faut que je cache in avec mercenaire. Hein. Tu sais qu'à tout moment je passe au 8. Réfléchissons du coup. Il n'y a pas, vraiment pas de vitesse d'attaque là. C'est compliqué en vrai. System Cursed, ouais clairement là. Pff. J'ai beau réfléchir, je vois pas. Hein. Après je peux encore avoir boîte de Pandore avec un coup de chat, mais bon. Et j'en avoir là-dedans ces items. Non, il faut juste que je cache in. Là je vais au 8 et. On fait rentrer la compo. Hein. Je pense que j'ai pas 20 000 choix, il faut que je fasse rentrer mécanique. Avec Orianna, que je me monte mes enchanteurs, que je mette du stuff. Dans la vie, ce qui compte, c'est surtout de dire ce que vous voulez. Après, le jeu, après, il fait le reste. Ça devient amusant. Ok.
Hop. Je ne le fais que s'il y a un Blitzcrank. En fait, ça peut vraiment être QSS. Non, mais whatever, c'est QSS. Après, j'aurais jamais de vitesse d'attaque. Là, je cache in. On attend. On va pas se précipiter. On cache in. Merci, Jérôme. Ça, tu me régales. Chercher Tam, gant du voleur, Inchla. Pas fan. Pas fan de la propale. C'est peut-être le play, mais pas fan de la propale. Quatre PO ont été ajoutés au coffre. Mais alors là, vraiment, c'était pas ce que je voulais. Et alors là, je vais être... En récompense, oh bah Jean c'est nice, garde du corps c'est pas mal. De l'AP, je vois c'est vraiment d'AP dont j'avais besoin là. Fils de pute de jeu. On verra quel truc on chope. Après vu la partie on veut forcément faire dernier souffle, du coup on fait lithoplastron. Voilà, on fait étincelle ion. Étincelle ionique, elle a du sens. Non, j'ai trouvé ce que je voulais. Lithoplastron. Et du coup, soit c'est Rabadon Shojin pour Orianna. Soit c'est de la vitesse d'attaque, auquel cas je stuff Jin. Ok. C'est fine. Fine. Là, la compo a du sens. Bon, en fait, je peux juste pas faire mieux, quoi, actuellement. Donc là, on a dit quoi? Épée pour Shojin, vitesse d'attaque pour dernier souffle. Je pense que c'est quand même vitesse d'attaque pour dernier souffle. Hein. Mais épée pour Shojin et sur Seraphine. Non, ouais, ça serait abusé. Non. Ok, on a dernier souffle. Et du coup, on va sûrement faire... on va sûrement attendre les corbins pour savoir ce qu'on fait. Oh, il me laisse le gant. Oh, bébou. Du coup là c'est mon Zac qui sort. Actuellement c'est Galio sur Zac Leona je pense. Hein. Je pense que c'est Galio sur Zac Leona les gars. Si je fais Zac Leona qui parte. Ouais c'est juste ça. Hein. Après il y a Yumi pour Érudit, mais j'ai pas Janna après. Je préfère rentrer Janna. Hein. Bon, je pense que je me perds un peu si je fais rentrer Janna. Après, 38 PV. Est-ce que je go 9? Je suis pas fan de go 9. On va attendre l'augmente, on verra dans quelle direction on part. C'est bien le Blitz là qui vient toucher, mais j'ai la petite QSS qui m'aide beaucoup. En plus, vu qu'il a du mana en plus, bah naturellement il caste plus vite. Ce casse vedette pour jouer Jin, elle me met bien. Eh, quand j'ai Jin, quand j'ai une partie comme ça, je sais un peu jouer. J'avoue que c'est plus simple. Même malgré le mercenaire. Le mercenaire, il m'a pas mis si mal que ça au final. Le mercenaire, il m'a fait perdre 62 PV. Mais il m'a fait gagner tellement de gold. Je sais pas en vrai. Je sais pas. Est-ce que vraiment c'était worth le mercenaire? T'en penses quoi, Shiza? BJ69, t'aurais mieux fait de Liv. Need Sniper, donc c'est 40% de dégâts sur Jin et MF. Ou alors c'est de la vitesse d'attaque cumulable jusqu'à la fin du combat, mais j'ai désenchanteur effectivement. Je crois que Need Sniper c'est le plus safe, vu que je sais que je vais pas bouger. Alors que les enchanteurs, il y a un monde où je me fais bullshit ou quoi. On va attendre les corbins encore un peu, je suis désolé, hein, j'attends beaucoup depuis tout à l'heure. Hein. Je suis pas proactif on va dire, mais... Je peux pas bouger ma compo. Tu vois, limite, je peux reculer lui, tu vois, ou elle. Après, je joue lui depuis tout à l'heure, vraiment, ça n'a aucun sens. Il serait pas là, c'est la même histoire. Hein. C'est vraiment Yumi. Hein, ouais. Lui, c'est vraiment Yumi. Après, même Seraphine, elle est pas hyper utile. Hein. Janna, elle serait peut-être mieux. Elle fait vedette, donc un peu de mana sur Jin, mais un peu de mana sur Jin. Plus de la vitesse d'attaque au copain. Oh ouais, donc lui son Shogat il doit taper un marathon pour venir me taper, ça me met assez bien. Ah, on va là-bas s'il te plaît. Là-bas. Bon, c'est bon. Ah, j'ai beaucoup de dégâts les gars.
D'autant plus que Jin va prendre 10%, MF va prendre 10%. Ah, c'est bien, c'est bien. Là on va pas cursed. Mais normalement, c'est top 1, ça. Je vois pas quel conf va me chercher. Oh, il a déconnecté. bien essayé. Mais j'avais vu qu'il y avait une déco, mais c'était pas la bonne. En plus, faut qu'il se reco après. Vas-y, quel enfer. J'ai une minute, ça. Bah, c'est pas grave. De toute façon, c'était sûr que c'était pas lui. Enfin, c'était pas sûr, mais je veux dire, il y avait peu de probas, quoi. Donc là, le jeu va me décider à jouer Orianna, jouer quelqu'un d'autre, on va bien voir. Je veux bien une ceinture, en vérité. La Shojin, elle est là. Arc. Et ok, donc on a Runan. Pour moi, là, on a Shojin. Pour moi, là, on a Shojin, Rabadon. Et le reste, c'est on va attendre. Bon, après, ça, on peut le mettre ici. Si je passe au niveau suivant, j'ai plus de gueule pour roll. Par contre, j'ai Janna sur le terrain, quoi. Ce qui est pas dégueulasse. Est-ce que ça, c'est mieux? Je pense que c'est bien, hein. J'aurais fait Shojin Ginzu. Shojin Ginzu. Et ensuite, on va encore une Yonic pour front. Ouais, c'était mieux, t'as raison. En fait, j'ai trop value peut-être le Rabadon. Je pense que c'est pas mal ce que tu proposes, mon gars. C'est plus flex du coup, parce que moi je me retrouve avec un arc qui sert vraiment pas à grand chose. Quoi? Mais j'ai trop le seum! Ah, j'ai vraiment le seum là. Oh non. Yonic diff. Pas du tout. Non non, t'as raison, c'était mieux mec, hein, te dis pas du tout, t'as complètement raison, c'était mieux. C'est une erreur de ma part. En fait, garder Seraphine, c'est bien. Parce que... Parle pour ce fight. Yonic aurait rien changé. Si, vu qu'il y a des compétences qui sont lancées, ça aurait fait des dégâts et tout. Si, si, c'était mieux. Ah, là, c'est vraiment la question. C'est est-ce que je peux te battre, est-ce que je peux te passer ou pas. Est-ce que Jin peut passer tes tanks. La réponse est oui. La réponse est oui, il peut passer. On souffle, hein, c'est compliqué. Hein. Hola, salut Kame, comment tu vas, frérot? Oh, que tu es beau avec ce badge. Mais pourquoi il ping SS, ce gros fils de pute? Va te faire enculer. Ok. Ah, j'ai cru que c'était toi. Oh, comme t'as dit ok, j'ai cru que c'était toi. Oh, je suis désolé, mec. C'était pas toi, ça va, mais j'ai eu peur quand même. Ah ouais, mécanique avec Orianna, ça aurait fait des trucs et tout, c'était pas mal en vrai. Tu viens de finir de travailler? Oh nice, bah écoute, moi j'ai pris un jour de congé. Genre là, c'est repos aujourd'hui, ça fait un peu de bien. Du coup, bah, j'ai un peu loose sur TFT, et là je commence un peu à gagner, donc on profite, on va dire. On profite de cette chance qu'on a d'être en vie. ok, Kali, elle tombe, hein. c'est nice. Bah, je pense qu'on va au 9 et on fait les plays. Je veux Yumi, je veux Galio. Tu vas jamais avoir de grosses comme en septembre. Need Sniper, c'est très très bon ça, Sniper. Tu vas jamais avoir de grosses vacances comme en septembre. En septembre, j'étais pas en vacances, mon frérot, malheureusement. En septembre, j'étais en... C'était un peu triste à dire, mais j'étais en intercontrat. C'est-à-dire que j'étais pas en... J'étais à la fin de mes études. Donc à la fin de mon alternance et avant mon CDI. Donc ouais, j'avais un peu de temps. Mais c'est malheureusement terminé.
Tu vas avoir que des un jour de repos. Bah, je pose comme je veux, en fait. Les vacances, c'est toi qui choisis comment les poser. Je crois qu'on avait déjà eu cette discussion. On va les réduire en charpie. On lève les mains. Je suis toujours prêt. Je savoure ton malheur. La meilleure défense. Attendez, c'est une jolie game là qui est en train de m'arriver. C'est bien propre. Oui, j'oublie DSL. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Donc en fait, ouais, c'est moi qui pose mes jours de congé. Et du coup, bah ça va être comme ça jusqu'à la fin de... Sûrement, enfin, jusqu'à ce que j'ai envie de poser des grosses vacances. Donc peut-être qu'à un moment, je mettrai des grosses vacances. Mais pour l'instant, c'est pas l'objectif. Le stuff de Brom, il sort. Hein. Plus à la rentrée étudiant. Donc c'est mieux. Alors, hop. Le Runan, c'est fine sur lui, je crois. On va quand même attendre les mobs pour savoir ce qu'on fait. J'ai une compo de fou furieux, les gars. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se dise les choses. Et là, la chose est la suivante. J'ai une compo de malade mental. Je crois que c'est la plus belle compo que j'ai jamais fait. Le jour où tu vas prendre des grosses, ce sera pour stream ou plutôt voyager, je sais pas. Si je prends des grosses, là dans les jours, dans les temps à venir, ça sera sûrement pour passer du temps avec ma famille. Du coup, plutôt plus ou moins vacances. Par contre, si je prends des grosses, par exemple, pour partir au Japon, je pense qu'il y aura quand même des streams IRL là-bas, tu vois. J'essaierai de synchroniser tout en même temps. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est pas spécialement de streamer un truc. Ce qui me plaît, c'est juste de partager du contenu, tu vois. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait des jeux de société, que j'ai acheté de quoi streamer sur téléphone, sur un jeu. J'ai pas envie de me fixer quelque part. J'ai juste envie de... Juste envie de... De streamer, quoi. C'est mon seul but. Partager du contenu à des gens. Me dire que si je veux, je peux avoir des souvenirs, tu vois. Je le garde, je le garde. Donc là, ça fait rédemption. On fait rédemption Runan sur, sur Galio. Rédemption, ça m'a l'air assez sûr. Est-ce qu'on fait Runan? Pour tout le monde, je fais Runan sur genre... je sais pas. Pipo Dream, Galio 3? Dream, Jin 3. Le Japon, ça en est où? Pas loin du début, hein. Pas loin du... Ça réfléchit pas des masses, malheureusement. Ça avance pas beaucoup, cette histoire. Bah, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis pas censé vraiment faire moins que top 1, là. Là, je suis vraiment pas censé faire moins que top 1. Podrim, Galio 3. La meilleure défense, c'est moi. Par contre, Jérôme, attention. Ah, c'est vrai que Jérôme, il faudrait pas que tu tombes sur moi. Ouais, je viens de tomber sur toi, ça me fait vraiment chier. C'est bon. Tu gagnes ? Je gagne, ça je sais pas. Aucune idée. Du coup, ouais, le Japon, on en a parlé avec Nico, mais sans plus, quoi. Il m'a dit qu'il voulait voir... Oh, il va peut-être gagner, lui, à moins que Galio fasse des choses. Je pense que Galio, il fait des choses, hein, dans l'ensemble. Attends, mais Yumi est encore là. C'est illégal. Du coup, stun, envolé lyrique, bam, retombé. 4 secondes de stun. Coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing... Top 3, bien joué Nerdist, t'as gagné. Bien joué BG.
Ah, mais c'est vrai, Pipo Dream, ne serait-ce que avoir Yumi 2. Ok, c'est Orianna over Jhin pour l'instant. Plus que 2 Orianna pour avoir Orianna 3. Fait pas tant de dégâts que ça. Ah, c'est loose. En vrai, elle était pas mal cette game. Hein. Oh, l'ulti. L'ulti d'Orianna qui fait la diff. Ergot 3 qui fait rien. Donc là, il faudrait, faudrait que je fasse Orianna 3. Comme ça, le titre de la vidéo il sera bien pour YouTube. Donc là, Orianna. Non. Oh, je viens d'avoir une idée, mec. Je vais prendre ça et je vais le mettre sur le collègue devant. J'abandonne Yubi 2, sinon j'aurai pas le temps. Pitié. Pitié. Ah là 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 là, je pense pas qu'il me gagne. Fais chier, y aura pas les gars. Y'aura pas les gars. Y'aura pas d'Orianna 3. J'aurais essayé hein, pour la vidéo YouTube. Hein. Orianna 3 me guide au top 1. Ça aurait été ça le nom de la vidéo. Let's go. On fait top 1 les gars. J'ai retrouvé à peu près mon sens dans lequel avancer quoi. Quand même on joue au jeu. Attends, c'est pas une piba? On peut appeler ça une piba en vrai. YouTube, plein de gros bisous, à très bientôt.